Les CRS, au moins, eux, ils mangent de la viande, merde. Non, mais c'est vrai, regarde, les mecs sont tankés, là, il y a 100 kilos, il y a 400 kilos, là, au moins. Ouais. Non, mais les gars, vous mangez de la viande, quand même. Voilà, merci. Non, mais c'est vrai, ils ont pas la tête des vegans. Regarde, ils sont tout pâles, tout... Oh, merde, fais chier. Le salon de l'agriculture vient d'ouvrir ses portes. 200 militants vegans se sont rassemblés. Leur objectif ? Dénoncer l'exploitation animale et prôner une alimentation 100% végétarienne. Il est temps de dénoncer les mensonges. Les mensonges des éleveurs qui tentent de nous faire croire que les animaux sont bien traités et respectés. En fait, il y a des marques qui sont CT, mais c'est que des marques industrielles. Très vite, le boucher est interpellé par Alexandra, l'organisatrice de la manifestation. Parce qu'aujourd'hui, c'est le salon de l'agriculture. Voilà pourquoi il y a les marques. D'habitude, on n'utilise pas ces visuels-là. Là, c'est parce qu'ils sont à l'intérieur. Ils n'ont rien à faire dans le salon de l'agriculture. Et c'est pour ça qu'on est là, c'est parce qu'ils sont là. Moi, le premier, je suis contre les industriels. Forcément, je suis artisan boucher. Ils arrêteraient si forcément on diminuait la consommation de viande. C'est ça aussi qu'il faut. Bah, nous, évidemment, on veut qu'il y ait plus de viande. Là, vous venez de mettre le doigt sur quelque chose qui est beaucoup plus intelligent. C'est-à-dire qu'il faut faire la part des choses entre ne plus en manger ou juste en manger de manière correcte, saine et bien élevée. Oui, mais c'est pas ce qui se passe actuellement dans notre société. Tout le monde mange de la viande à tous les repas. Alors auquel cas, si vous n'en mangez plus du tout, il ne s'en produira plus du tout et le peu qui sera toujours produit, parce qu'il y aura toujours des gens qui mangeront de la viande, sera industriel. Moi, je vais commencer à disparaître, mes éleveurs aussi. Mais bon, vous tuez quand même des animaux. Une fois que vous avez quelqu'un qui va dans votre sens. Mais je vais pas. Moi, je suis contre. Moi, je veux. Vous nous dites manger la meilleure viande, mais pour nous, viande industrielle ou viande pas industrielle, ça reste un animal mort en fait. Voilà. Là, on est juste sur un message très généraliste où même les gens qui font bien leur travail, qui élèvent bien les animaux, passent pour des assassins, des criminels. À un moment où moi, je peux difficilement l'entendre, quoi. Face aux véganes qui dénoncent la souffrance des animaux, le boucher, lui, elle les sensibilise à la détresse des éleveurs aujourd'hui en crise. Avec des mouvements extrémistes, ça cautionne le fait qu'il y ait des éleveurs qui se suicident. Non. Il y a des raccourcis qui sont faits. Ok, moi aussi j'en fais. C'est par votre faute, il y a des éleveurs qui se suicident. Voilà. Romain quitte la manifestation, agacé par une discussion qu'il juge stérile. Le message, il n'est même pas perçu. Ils n'entendent même pas. Ils n'écoutent pas, ils sont fermés. T'es un assassin, point barre, je ne cherche pas à comprendre. Cette année, de nombreux stands rivalisent d'idées pour mettre le steak à l'honneur. Parmi ces stands, celui de Romain Leboeuf, un nom prédestiné pour un artisan boucher élu meilleur ouvrier de France en 2015. Plutôt cuit ou saignant ? Plutôt saignant. Hein. Bon. Romain est fier de montrer son savoir-faire au restaurateur. Est-ce que vous saviez que ça se faisait comme ça dans ma Côte de Bœuf ? Mais les visiteurs sont surtout là pour déguster la bonne chair. Quand on voit ça, on n'a qu'une seule envie, c'est de prendre le couteau et... Mais sans rien, sans sauce, sans rien, juste sel, poivre. Pourtant, cette année, des stands végétariens ont envahi le salon. Ils proposent des produits qui ressemblent à des steaks ou des hamburgers. Intrigué, Romain Leboeuf cherche à savoir ce qui pousse les consommateurs à les acheter. Bonjour. Il va déguster des steaks de légumes sous l'œil attentif des patrons de la marque. Il faut aimer le légume, hein. Fondamentalement, c'est pas mauvais. Mais effectivement, un repas entre amis, je leur sers ça, j'ai plus d'amis. Mais je leur sers ça avec une côte de bœuf, j'ai plein d'amis. Maltraitance des animaux dans les abattoirs. Une viande rouge transformée qui serait même cancérigène et contribuerait au réchauffement climatique. Aujourd'hui, le steak a moins la cote. Chaque Français en consomme 85 kilos par an contre 95 il y a 20 ans, soit 10 kilos de moins. Partout en France, les campagnes des végétariens se multiplient pour dénoncer les plaisirs de la chair. Stop au cauchemar ! Stop au cauchemar ! Face à ces attaques, les artisans bouchers se rebiffent. Ateliers dégustation, art de la découpe et même vente de viande en ligne. Tous les moyens sont bons pour reconquérir leurs clients et défendre leur beefsteak.